Hi everybody, bonjour tout le monde. Today I will present a tarot by Alexander Danilov. So I just began speaking a little bit English to say hi to Alexander because I really, really enjoy his beautiful tarot, which is beautiful and mysterious because I think Alexander has discovered a lot of things about esotericism. I don't know if we say that in English, but I'm really fond of this tarot, so I'm very pleased to present it in this review. So hi Alexander, if you see this review. Je salue Alexander au passage, voilà, parce que j'ai vraiment adoré son tarot, que je suis ravie de vous présenter dans cette review, parce que, outre le fait que il soit esthétiquement superbe, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Alexander Danilov est un peintre, avec beaucoup de talent. D'ailleurs, je vous mettrai les liens pour découvrir son travail. Et donc Alexander est un peintre russe qui vit en Italie actuellement. Et ce que je disais donc en anglais, c'est que son tarot est non seulement esthétiquement très beau, moi il me parle beaucoup, mais cela va bien au-delà, c'est-à-dire que il a compris des choses et il a fait ressortir dans ce tarot de Marseille. Enfin, pour les arcanes majeures, on est vraiment dans le tarot de Marseille. Il a fait ressortir des choses extrêmement symboliques. Donc je pense que c'est un tarot qu'il faut étudier, qu'il faut creuser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes et de symboles à découvrir. Voilà, donc ce tarot est la quatrième édition du tarot qu'il avait créé en 2012. Donc ce tarot est un tarot, alors à la fois il s'agit d'un tarot de Marseille. Parce que les arcanes majeures sont vraiment, je dirais, chargées de la symbolique du tarot de Marseille. Mais en même temps, donc les arcanes mineures sont illustrées à la façon d'un Rider-Waite. Et vous allez voir, l'ambiance est très, 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 très singulière. Il a existé une version. Je ne sais plus si c'était la seconde, je crois, ouais, la deuxième édition. Il avait proposé donc deux cartes différentes pour la force et la justice. Enfin, pas différentes, mais numérotées dans les deux systèmes. Vous savez que dans le Rider-Waite et le Marseille, la force et la justice sont inversées. Donc, il avait proposé les deux cartes avec les deux numérotations, ce qui permettait à chacun, en fait, si on est plus Rider-Waite ou plus Tarot de Marseille, de travailler avec son jeu. Et c'est vrai que personnellement, moi, je préfère le Tarot de Marseille parce que je travaille avec la partie numérologique du tarot. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'était pour la petite histoire. Alors, peut-être qu'il le fera pour la quatrième édition, mais je ne sais pas. Rapprochez-vous de lui, vous verrez, c'est quelqu'un de très accessible. Il répond à vos questions, donc n'hésitez pas. Je vous laisserai son lien. Voilà, donc là, il s'agit du dos, vous voyez, qui est vraiment superbe. Donc, vous pouvez tout à fait, en effet, tirer les lames à l'endroit ou à l'envers, si vous le souhaitez. Donc, nous allons commencer par les majeurs. Donc, pour les majeurs, voilà, vous allez comprendre de quoi je parlais. Donc, voici, voyez, le fou. Donc, le fou, voyez, nous sommes dans des illustrations qui sont extrêmement symboliques avec la lune, le soleil. Là, nous avons une chouette aussi. Le chien qui le mord. On ne sait pas s'il le mord pour avancer ou pas. Enfin, on a vraiment à la fois le fou du tarot de Marseille et du rider qui sont entremêlés, mais à sa manière à lui, à sa sensibilité. Voilà. Ensuite, hop, voici donc le battleur.
Donc son battleur, pareil, est très 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 singulier, avec le masque à la fois féminin, le masque féminin qui est sur le masculin. Donc on retrouve hein, tous les symboles du tarot de Marseille. Vous voyez ici, hein, nous avons la connexion avec l'infini, les outils bien sûr du mage. Il y a d'autres symboles que je n'ai pas encore eu le temps de décortiquer, mais c'est un tarot qui est extrêmement riche. Voici donc la papesse qui a un regard extrêmement mystérieux avec son livre hein, et le symbole de la grenade. Hein. Avec le pied sur la lune, ça c'est pareil. Hein, bon, nous avons toujours ici les deux colonnes, hein, noir et blanche. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le plan symbolique. Ah, l'impératrice qui a été rattachée à Vénus. Et la couleur orangée, je la trouve très bien choisie pour l'impératrice. Est-ce qu'elle a, elle a, c'est la mère créatrice aussi. Hein. Elle n'est pas que dans l'intellect, même si c'est une femme très intellectuelle. Elle a tout réussi. Hein. Mère, femme, travail. La femme accomplie. Hein. Voilà, l'empereur. L'empereur, il a l'air. Je préférerais ne pas l'avoir à l'envers. Parce que c'est un. Voilà, il est très particulier. Alors, vous voyez sur les côtés, nous avons aussi. Nous avons le bélier. Voilà, il y a pas mal de symboles. Hein. Le pape. Donc, on est bien dans le tarot de Marseille. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais vous l'avez vu, bien sûr, c'est écrit en italien. Voilà, avec la tiare. Avec la tiare orthodoxe. Voilà, les amoureux. Donc là, il y a beaucoup d'humour dans celui-ci. Parce qu'on a le petit Cupidon là, qui est caché, qui est facétieux. Et j'avais pas remarqué, hein, regardez ici. Voilà. Vous avez beaucoup, 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 beaucoup de symboles dans les fruits aussi. Hein. Je pense que si on prend le temps de regarder toutes les lames en détail, il y a beaucoup de choses. Hein. Là et derrière, vous avez un animal qui ressemble à un serpent. Voilà, le chariot. Ah, le chariot, c'est pareil. Donc, vous avez vraiment la réussite. Hein. Le chariot, c'est la lame de la réussite. Quand vous travaillez sur une question concernant une société, les affaires financières, le travail, c'est la réussite. Vous voyez, avec les lauriers, hein, il ressemble à César. Et là, regardez, il a le symbole de la lune et du soleil. Et il a deux animaux, un blanc et un sombre, pour tirer le chariot, hein, comme dans le tarot de Marseille. Mais là, vous avez une licorne et un autre oiseau qui pourrait être un phénix. Voilà, c'est très 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 riche. La force. Donc voilà, comme je vous le disais, ici vous avez la force en 8. Et j'aime beaucoup le regard de cette force. Elle a vraiment un regard coquin. Vous voyez? Ah, moi j'y suis arrivée. Hein. Et c'est marrant. Les personnages sont extrêmement expressifs. Hein, voilà. L'ermite, alors j'adore l'ermite, j'adore les cartes de l'ermite, c'est vraiment mes cartes préférées. Et ici, vous avez beaucoup de symboles, à la fois bah, celui qui montre la lumière, celui qui travaille aussi, qui recherche, qui est caché, puisque là, vous voyez, vous avez la voûte étoilée derrière. Et là, ici, vous avez le symbole du temps. Enfin, voilà, comme je vous le disais, ce sont des cartes qui sont extrêmement riches en symboles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ces cartes. La roue, très singulière la roue. Donc vous verrez, il y a aussi pas mal de symboles, de masques qui viennent, je dirais, d'inspiration asiatique. Vous allez voir, on les retrouve par la suite.
La justice. La justice. Avec l'équilibre, la balance. Le pendu, très, très singulier son pendu. Hein. Regardez. Là, vous avez des symboles aussi. Intéressant de savoir pourquoi il a choisi cette position. Il sourit, hein, et c'est volontaire. L'attachement est volontaire, le lien est volontaire. Vous voyez ici, vous avez aussi plusieurs arbres. La mort. Alors, j'aime beaucoup aussi cette mort. Avec la notion du temps. Et là derrière, vous avez un bateau qui est prêt à partir, c'est-à-dire que la mort est un passage. Vous voyez? Mais il y a d'autres symboles derrière. La tempérance, qui est extrêmement aquatique. Et en même temps, vous avez ici, vous voyez la voûte céleste avec l'arc-en-ciel. On a un équilibre entre beaucoup de choses hein, avec la tempérance. Le diable, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, le diable avec ses grandes dents, comme ça me fait vraiment penser au masque indonésien, baliné, même enfin, de toute cette partie-là de l'Asie. Et vous avez pas mal de choses hein, dans ce symbole. Vous voyez, vous avez ici le pentagramme à l'envers, l'œil, les liens. Voilà, moi, je ne veux pas trop passer de temps parce que je vais vous montrer quand même les arcanes, une partie des arcanes mineures, même si je ne vous les montre pas tous. Voilà, la tour. Pas si vous avez remarqué, mais sur beaucoup de cartes, vous avez le doigt qui pointe. On l'a pour la justice, on l'a pour le pendu. On a l'intervention céleste. Hein. Voilà, je vais peut-être baisser un peu pour qu'on les voit bien. L'étoile, une magnifique étoile. Elle n'a pas un genou par terre, celle-ci. Voilà, la lune. Avec tous les quartiers de la lune, ça c'est très intéressant. On retrouve vraiment la symbolique avec les deux chiens. On a le chien égyptien aussi. Le soleil avec les deux enfants. La réussite, la fontaine, la forteresse autour. Le jugement, donc on retrouve hein, toute la symbolique avec les trompettes, le jugement qui vient du ciel, la renaissance, le côté assez impitoyable aussi hein, du jugement, ça peut être lumineux comme ça peut être sombre. Voilà le monde pour terminer, ce magnifique monde, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer les arcanes mineures. Alors, je vais vous montrer majeures, pardon. Je vais vous montrer quelques arcanes mineures parce que ils sont vraiment particuliers. Alors, il a mis toujours dans ses jeux une carte blanche. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je crois avoir vu dans une review de mes collègues britanniques qu'il s'agissait d'une carte. Comme pour comme on le retrouve dans certains jeux, notamment dans le Béline, la carte bleue, voilà, qui est un peu, je dirais, le joker. Mais à vérifier. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes. Donc voici donc les As, l'As de bâton, l'As de coupe avec le côté aquatique, l'As de denier avec la terre. Le travail,
Et l'as d'épée, vous voyez, avec l'aigle, hein, les symboles des éléments. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc là, vous avez, par exemple, pour les deux, vous avez, vous voyez, le 2 de bâton. Vous allez retrouver la symbolique des illustrations du rider. Hein? La rencontre. Hein? L'équilibre. Il y a beaucoup d'humour aussi, je trouve, dans cette carte. Voilà, le choix. Le nouveau départ, la fin de quelque chose, la fin d'une action, le fait d'avoir atteint un but, etc. Enfin, vous connaissez, voilà, tout ça. Voilà, vous voyez, hein, on retrouve vraiment la symbolique du rider. Voilà, la célébration. Le travail, l'application, le 3 de denier. Il y a aussi le côté créatif, hein, dans ce 3 de denier, parce que là, on voit des dessins de bâtiments, on a la création on a ce côté créatif qui ressort. Ah, elles sont vraiment superbes, hein, ces cartes. Voilà. Donc, je ne veux pas toutes vous les montrer. Par contre, ce que je voulais vous montrer, là vous voyez, donc vous avez ici le 4 de denier pour la stabilité financière, voire l'avarice. Voilà. Alors là, on retrouve, hein, vous voyez, la lutte pour le travail. Voilà, le fait de le passage difficile. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, le 6. Le 6 de denier pour le fait de répartir les richesses, de donner ou même ben, de recevoir si on est dans l'autre sens. Voilà, donc voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que la vidéo serait beaucoup, beaucoup trop longue. Mais enfin, c'est un jeu qui est splendide, hein, qui est superbe. Vous voyez, hein, pour le travail, hein, le 8 de denier, c'est un sculpteur. Voilà, le fait de laisser le passé de côté, d'avancer sur le plan affectif avec la coupe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, la réussite, les deniers. On commence avec le 9 à récolter les fruits de son travail. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques cartes de cours, comme ici, vous voyez, le valet de bâton. Il y a pas mal de symboles, hein, voilà, à chercher, à glaner. Ensuite, vous avez le cavalier qui est un peu plus, vous voyez, un peu plus vieux, plus expérimenté. Cavalier, hop, les reines, reines de bâton. Vous voyez, vous avez pas mal de symboles un peu partout. Et là, vous avez aussi un lien avec les animaux. Là, nous avons le bélier. Rappelez-vous, hein, on est dans le feu avec le bâton. L'eau avec le crabe. Ici, vous avez le cœur. Le carreau pour le travail. L'épée avec le pic. Alors, je vous dis une bêtise. Ah oui, vous voyez, je n'avais pas remarqué en fait. Là, ici, on est plutôt dans le denier puisque c'est le trèfle. Hein, voilà. Donc, c'est intéressant. Hein. J'avais pas vu que pour les cartes
Alors, est-ce qu'on a la même chose pour les rois? Non, pour les rois, on l'a pas. Par contre, pour les reines, on les a, c'est intéressant. Voilà. Les rois. La coupe. Le poisson. Et voilà. Voilà, vous avez toutes les significations. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis contente de vous avoir présenté cette review parce que c'est vraiment un jeu qui est superbement illustré et ce n'est pas un jeu qui en même temps sort. Je dis, s'éloigne de la symbolique du tarot et voilà. Donc c'est vraiment si vous souhaitez ou si vous aimez travailler avec le tarot de Marseille, vous serez pas dépaysé par ce jeu. Si vous aimez le Rider-Waite non plus. Voilà, il ne s'éloigne pas. Donc c'est vrai que souvent on a des illustrations qui ont voilà qui sont une expression de la personne qui les a créées, de l'artiste, mais parfois on perd en symbolique et là c'est pas le cas, c'est pas le cas et voilà, donc je voulais vraiment vous présenter ce tarot qui est superbe hein, et donc n'hésitez pas à aller sur le site, je vous donnerai ses coordonnées, tous les liens qui permettent de voir ce que fait donc Alexander Danilov. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce joli, joli travail et je vous souhaite de passer de belles journées en compagnie du tarot. Vous y trouverez beaucoup de choses et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!